recette d'éliminer une personne dans ta vie. La recette d'éliminer qui te fatigue dans ta vie, qui se mêle dans ta vie, qui veut vraiment toujours que ça va, que tu vas avoir des problèmes. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être n'importe, voilà. Voilà, ça peut être un voisin, vous êtes à côté là, mais vraiment, quand il te voit vraiment, il ne veut pas. Il te voit vraiment parce que tu t'habilles bien là. Il est ça, il te voit vraiment, tu as une bonne voiture. Des fois même, tu n'as rien, mais tu n'as rien, tu n'as rien du tout. Mais on te voit seulement, on te haït parce que tu te fais, tu es une personne vraiment là, sensueuse comme ça. On te voit seulement, on met contre soi la famille, voilà. Donc, c'est la recette là que je vais partager avec vous, mes chéris. Faites ce recette par grâce à Dieu, vous allez voir le résultat, mes chéris. La personne qui vous fatigue là, qui vient dans votre vie, mêlée dans votre vie, vraiment ne veut pas vous voir, vous fatigue parce que vous êtes belle là. Parce que vous êtes une princesse, parce que vous êtes un con, parce que vous êtes un king, parce que vous travaillez bien, parce que les gens pareils là qui travaillent bien, qui sont forts là, qui sont formidables là, parce que tu as le cœur, tu ne veux pas que quelqu'un va se moquer de toi. Tu as le cœur, tu ne veux pas que quelqu'un va te balancer de toi. Tu as le cœur, tu ne veux pas que quelqu'un va venir te mettre dans ta vie. Voilà. Donc, avec les personnes là, il ne veut pas les personnes pareilles là, les braves personnes là, il veut toujours les braves personnes vont baisser leur tête. Il veut toujours éloigner, ennuyer les braves personnes. Il veut toujours embêter les braves personnes. Donc Dieu dit que vous n'êtes pas, il ne peut pas faire ça par grâce à Dieu. On veut pas, il ne pourra pas se mêler dans vos vies. C'est Dieu seul qui peut faire. Personne ne peut si par grâce à Dieu. Donc c'est la recette laquelle je parle, mes chéris. Tu connais l'intéressé, tu connais son nom. Viens pointer. Même si tu connais ces filiations-là, il faut connaître tout. Tu connais tout. Si tu ne connais pas, mais quand même le nom-là. Prenons nom et prénom-là. Il faut écrire sur la feuille-là. Tu cherches une feuille comme ça, la famille. Qui t'embête vraiment dans ta vie. Qui te fatigue vraiment, que tu ne peux rien faire. Voilà. Voilà. Qui te fatigue qui fait vraiment. On te voit seulement parce que tu es une belle femme-là. Tu es un beau homme-là. Voilà ce que tu vas faire. Fais ça. J'attends le résultat. J'attends le témoignage parce que c'est quelque chose qu'elle ne va pas laisser. Par grâce à Dieu, elle n'est pas féticheuse, rien. Elle n'est pas marabout. Mais par grâce à Dieu, tu vas avoir un résultat positif. Par grâce à Dieu, tu vas être content. Donc, tu cherches une feuille comme ça, la famille. Comme vous le voyez comme ça, voilà. Voilà, tu cherches une feuille, vraiment. On t'embête ta vie, on te fatigue ta vie, on veut t'éliminer ta vie. Par grâce à Dieu, on ne peut rien. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Voilà, non, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui Dieu nous voit. Donc, tu prends une feuille comme ça, comme vous le voyez là, qui a toujours le mal dans ton, pour toi. Tu as toujours le mal, qui veut toujours le mal t'envoie sur toi. Voilà. Tu t'embêtes tellement, tu prends une feuille comme ça, la famille. Donc, la feuille là, tu vas faire quoi? Tu vas écrire le nom de l'intéressé. Si l'intéressé là, c'est écrit bicarbonate là, si son nom c'est bicarbonate, tu écris bicarbonate. Si c'est bicarbonate rose, tu écris bicarbonate rose, son nom. Voilà, je ne dis pas d'écrire bicarbonate, je dis le nom de l'intéressé. Moi, je dis par exemple, moi, je dis le nom là, c'est bicarbonate, j'écris bicarbonate rose, j'écris. Donc, toi, tu connais le nom de l'intéressé, même si c'est 10 personnes, même si c'est 5 personnes. Écris le nom là, que tu te fatigues là, veux te éliminer là, veux te faire du mal, veux pas que tu vas te progresser. Tu connais bien l'intéressé. Il faut écrire sur la feuille. Il faut écrire sur la feuille. Tu sais, une boîte comme ça, la famille, comme j'ai comme ça, la famille. La boîte comme ça, quand tu prends la boîte comme ça, voilà, la boîte est comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas plier bien la feuille là, comme vous me voyez comme ça, la famille. Donc, c'est ça la feuille là. Tu vas plier. Quand tu plies la feuille comme ça, vraiment, tu plies bien la feuille. Voilà. Tu vas plier bien la feuille. Voilà, bien la feuille. Tu vas plier. Tu vas mettre dans le plastique là, dans ça, quelque chose. Fais comme ça, quelque chose qui est fermé comme ça. Que tu vois même, tu vois rien au-dessus. Si tu ne vois pas, si tu ne vois pas, tu ne vas pas voir. Donc, tu vas mettre la feuille là-dedans. Voilà, comme j'ai déjà l'eau dedans. Quand tu mets la feuille dedans, tu ajoutes. Attends, parce que... Vous le voyez, non, la famille? C'est la feuille que tu as écrit le nom de l'intéressé. Voilà. Tu vas écrire la feuille là, tu mets ici, dans la boîte. Tu ajoutes de l'eau. Ce n'est d'autre chose, c'est l'eau qu'on boit. Voilà. Je n'ai rien de c'est l'eau. Tu ajoutes de l'eau. Tu vas remplir. Il faut remplir bien avec l'eau. Tu parles ce que tu veux. Tu parles ce que tu veux. Tu dis que l'intéressé là n'est qu'à éloigner dans ta vie, n'est qu'à sortir dans ta vie. Tu parles tout ça avec ça. Voilà. Quand tu vas finir de parler, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fermer ta boîte comme ça, mes chéris. Voilà. Allez-y déposer dans le congélateur, là où il y a le glace. Tu vas le déposer là-bas. Tu vas oublier 2 semaines, bien 1 mois. Voilà. Tu mets quand 2 semaines arrivent.
il faut aller prendre, tu déposes dehors jusqu'à ça va se fondre. Voilà. Si ça se fond maintenant, il faut ouvrir. Voilà. Tu prends la feuille. Tu prends la feuille dedans. Voilà la feuille qui est dedans. Il faut prendre la feuille. Tu vas commencer toujours. Tu parles. Tu parles jusqu'à tu vas le nom de l'intéressé. Là, tu vas partir. Tu coupes. Tu fais comme ça le nom. Jusqu'à tu vas arriver à le nom de l'intéressé. Il faut parler. Il faut parler jusqu'à le nom de l'intéressé. Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler l'intéressé de te laisser à paix, de t'éloigner, de te sortir dans ta vie. Voilà qui parle du mal de toi. Tu veux mal de toi. Tu fais comme ça. Après, tu mets ça ici dans l'eau là. Il faut aller juste, tu vas jeter dans la toilette, tu laisses ça, tu flashes, la toilette va descendre maintenant. Il faut faire ça, mes chéris. C'est quelque chose de terre à terre, par grâce à Dieu, tu vas venir me pointer. Ça ne dure pas, hein, mes chéris. Ok, la famille, merci, mes cœurs, bijoux à vous aussi. Donc, c'était ça, mes chéris. Faites ça, une recette très bien qui marche. Voilà. Qui masque, je confirme bien, ça marche bien encore. Ok, mes chéris. Grâce à Dieu, elle n'est pas fétiche, elle n'est pas marabout, mais vous allez être content, mes bébés d'Amarillo. Merci, mes cœurs.